Et salut tout le monde, c'est Firecox et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 4 de Universe of Tarbun. Et oui, bon, petit fail, enfin vous n'aurez pas vu, mais moi je me suis fail en beauté juste avant. J'avais oublié de mettre le jeu en full screen. C'est-à-dire que je viens d'y voir après avoir fait le voyage, heureusement j'ai quitté, sinon ça aurait fait pas très beau. Ça aurait fait encore le bug des contournements tout autour de l'écran, alors ça c'était moche. Alors voilà, je reprends, alors j'ai pas vraiment fait grand chose, hein. Il y a 5 minutes qui sont écoulées quand je l'ai fait, alors j'ai juste expliqué que j'avais tout pris plein de minerais en œuf, tout ça, là qu'on pouvait voir des diamants, pas mal de platinum déjà, du gold, tout ça, et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà la pioche en or, alors je l'ai fait, j'ai d'abord acheté, vu que j'avais la copper, je l'avais montré, j'ai déjà acheté la silver, ça coûte 200 pixels avec il faut pratiquement la copper pickaxe et vilingot d'argent. Et après j'avais fait la gold 400 pixels, après il faut bien sûr la silver pickaxe et vilingot d'or. Alors comme je le disais, les pioches demandent que 8 lingots du matériau en question, alors que pour les drills ou les foreuses comme si vous préférez, on verra plus tard, ça sera 20 lingots du matériau. C'est pour ça que c'est un peu plus cher et en termes de pixels aussi. Là, déjà il y a la diamante ici, oh quoi que là, ouais si avec 100 pixels déjà c'est déjà pas mal, mais la drill elle est carrément beaucoup plus chère, elle est à 6400 en pixels, non c'est bon ça. Ne vous inquiétez pas, on a assez, vous voyez j'étais à 2900, là j'étais à 3500 au début de l'autre épisode en fait, sans faire exprès. Mais bon voilà, je viens d'acheter les deux pioches, il n'y a rien chose qui s'est passé, et là je vous ai juste j'avais fait juste le voyage et j'ai expliqué aussi que je reprends mon truc pour le système de fuel en fait. Comment ça marche en fait dans l'univers de Star Wars, c'est que si on veut, comme j'ai dit, je le dis, c'est partir d'un système solaire, c'est à dire où là où on est, où on va aller à celui ci ça nous coûtera 200 de fuel. Bon là je les ai plus, je les avais avant, mais c'est pas très grave, ça coûtera 200 impérativement. Après quand on est dans le même système solaire, si vous voulez voyager de planète en planète, c'est-à-dire là on est à la 3, si on veut pas retourner à la maison on va dire, à la 4, ça nous coûtera 50 de fuel. Et quand on est dans un même système de planétaire, avec la planète principale et les deux satellites, si vous voyez là c'est désert level 1, il y a juste le numéro 3 et là où vous voyez 3 avec un petit A et là un petit B, ça démontre que c'est les satellites de la planète en fait, c'est comme nous avec la Terre et la Lune en fait. Et ça vous coûte un seul fuel si on voyage de cette planète à cette planète. Voilà, c'était juste pour l'explication que j'avais fait en début d'épisode de l'autre. Et puis aujourd'hui, ben, comme j'avais dit, on avait battu le boss, hein. On avait atomisé la gueule avec la l'épée légendaire et j'avais dit qu'on ferait encore un peu d'exploration pour cet épisode. Là on va s'attaquer à essentiellement 3 planètes aujourd'hui, enfin 2 particulières, une que je ferai 2 petites ellipses je pense, en 2 parties. Et essentiellement des biomes déserts, je voulais montrer la physique qui sont appliquées au sable. C'est un peu le même principe que l'eau. Alors on se dépêche, on y va tout de suite. Alors aussi que j'avais trouvé bien... Ah bah tiens, ça tombe bien, un effet météorologique, météorologique, ouais, je suis fatigué aujourd'hui, je me suis bêtose, je trahis on va dire, hein. Je me suis levé un peu à 4 ans du mat, ça peut se l'entendre. Là, on assiste à une pluie d'étoiles filantes en fait, c'est bien sympa. Bon, ça arrive aussi qu'il y a des pluies de météorites, c'est très rare mais ça peut arriver. Le problème c'est un peu chiant quand ça arrive, ça pète le décor, hein. Souvent quand vous êtes dans un lieu, que vous voyagez peut-être un village à un moment, ça vous fait bien chier en fait que ça pète tout le décor. Et là on peut voir qu'on a des arbres, moi j'aime bien ce style, ça me fait penser, pourquoi j'ai la torche, pas la torche moi, dégage. T'es sérieux la torche, dégage. Ça me fait penser un peu le tronc, ça me fait penser à un réglisse, je sais pas vous, mais je sais pas, c'est l'impression que ça me fait. Ouais, on va le couper, ça me fait un peu de bois. Je sais pas s'il loot un truc spécial, mais non, ça loot du bois, ouais, ça me semble normal. Prendre la pousse. On a pris la pousse comme ça, de cette couleur. Attendez. Ah oui, ça l'a mis là-haut. Voilà, on aura lui, et puis on va prendre lui, comme ça au moins on aura les deux différents. C'est pas mal, ça, un petit arbre comme ça, là.
ceux qui se font une petite collection. Ouais, c'est bon, on a eu les deux différentes couleurs. Alors, bon, vous pouvez voir, j'ai mis des tâches, j'étais mis un peu fermé aussi ici, on va dire. Alors, ce qu'on va faire, exploration, mais pas souterrain encore. Ça sera pas pour tout de suite le souterrain, je vais pas le faire tout de suite. Ça sera surtout, je pense, qu'on sera dans le secteur bêta. Après, dans le prochain épisode, je pense, on ira fermer. Attendez, je voulais montrer l'effet que ça fait avec le sable. Ça fait, bon, c'est comme à la Minecraft, mais ça s'écoule comme de l'eau en fait dans le jeu. Hop, voilà. Et ça tombe. Et quand vous avez un grand étendu comme ça tout le long et que vous avez juste à piocher tout droit, tout va revenir sur vous et voilà, les minerais, vous faites plaisir, on va dire, hein. Très plaisir même. Oh, putain, y a du mob à gogo. C'est parti, massacre. Si tu veux, toi t'es coincé de toute façon. Tu seras plus coincé. Ça c'est chiant. Tant que ça switch. Prends vite le charbon. Regardez la vitesse. Et pourtant j'ai que l'or. Hein. J'ai que la pioche en or. La platinum c'est un peu plus rapide et la pierre c'est là. C'est la diamante. Hein. Alors voyez, je vais vous montrer un peu l'effet que ça fait. Hop, hop, hop. Ça, ce qui est bien, c'est que ça casse automatiquement ce qu'il y a dans les blocs de sable. On continue un peu, comme ça nous fait un peu de minerai. Bon, faire gaffe un peu quand vous faites ça, c'est souvent des fois vous arrivez à des crevasses ou genre dessous, c'est un peu la galère sinon. T'es où le meuble là, je le vois pas. D'accord, t'es passé dessous, c'est pas grave. Voilà. Parfait. Ouais, mais gueule, on s'en fout de toi. T'as pas notre souci. Hop, on ramasse un peu, hein. Sachant que maintenant le copper et le fer ils me serviront plus à grand chose en fait. À part les faire fondre comme je l'ai dit avec la machine spéciale qu'on aura un peu plus tard pour avoir des pixels en retour. Mais pour l'instant oui, de toute façon j'ai déjà assez de lingots pour faire la drill. Après il n'y a plus grand chose à faire je crois avec. Il me semble pas, il n'y a pas de... À part si vous voulez faire de la décoration, oui ça c'est sûr que... J'ai été obligé d'en reprendre. Bon, la déco, on verra encore. On va pas faire toute la maison de toute façon. Ah, coffre caché, tiens. Ça, je savais pas. J'avais vite fait le tour en la fenêtre, je sais où il y en a, à peu près les coffres. On a quand même pas mal sur sa belle, je suis assez content. Bon, je parlais de ce qu'il y avait dedans, mais je sais. Ah, mais j'ai pas cassé la torche pourtant. Ça me fait. Oh non, y a plus rien. Mais là, ouais, je découvre un. Alors, un swing. Oh, 2-19 quand même. Plus rapide que. Ah, il fait pas beaucoup de dégâts, bon regardez ça fait que 4. Oh bon sympa quand même, mais bon. Je la garde pas de toute façon. Une arme légendaire, pourquoi se faire chier hein, franchement. Hein, ceux qui comprennent. Hop. Oula, ça va être fait de galère, je vais repasser par là, c'est pas grave. On va traverser tout droit là. Hop. Je me dépêche un peu, c'est pas mal de trucs à vous montrer. Bon ben, encore j'ai largement le temps. Je peux faire des longs épisodes, hein, comme j'ai dit. Ça... Le plot n'est pas très long avec ce jeu hein, en même temps. Un jeu 2D, c'est pas très gourmand. Oh putain, j'ai entendu un mob. Merci les étoiles filantes, on m'éclairait un peu. Ça c'est bien sympa ça. Ah, saute. Mais j'ai dit saute. Il y a le bug de sap qui m'a refait tomber. Non, ça va pas le faire. Ah, je galère. Ah mais manque... Bon, c'est dommage, j'ai pas encore trouvé de... De pouvoir, j'espère que je vais en trouver un assez rapidement. Voilà, je cherche en haut, je verrai bien. Encore un coffre. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ah, des tomates, tiens. On pourra faire des plantations de tomates maintenant. Et des flares. Bon, ça c'est des flares, hein, tout le monde connaît. Hein, c'est quand les gens s'en font SOS. Sauf que dans ce jeu, ça sert pas à grand chose, ça sert juste à éclairer la nuit si on veut. Sûrement les trains. Oh putain, je fais le boulet. Dégagé. Il y a deux people. Aïe, tu fais mal Viens ici, viens ici, viens ici. T'es mort. T'es mort. Hop. Chance, ouais, chance. Ouf, le filon de charbon. Tiens, j'ai bien fait d'avoir le glowing pour avoir la lumière. Parfait. On pique le charbon, ça sert toujours. Hein, pour les torches et pour le fuel. Bon, le fuel, comme je dis, il y aura pas mal de... En plus, putain, bon, de la merde, hein, j'y jette direct. Putain, pas des flèches. Je vais récupérer ça. Hop. J'ai déjà faim. C'est pas possible ça.
Hop. Oh, un bon charbon de copper. What? Ah oui, c'est mon glowing qui s'est arrêté. Attends, je comprenais pas. J'ai flippé, je fais wow, qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, hop, on poursuit, on poursuit. Il y a des petits lieux assez sympas aussi sur la comme tu veux quand même. Hop. Toi. OS. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du charbon qui tombe, on le voit très bien. Oh, c'est tout. Pas mal de charbon. Bon, ça c'est la race gentille. Ah, le soin. Merde, c'était gentil aussi ça. Fuck, damn it. A savoir aussi qu'il y a un boss de zone ici. Enfin, un boss de zone, c'est pas vraiment un boss. Si c'est un boss, mais... de zone, on comprendrait vite fait, c'est juste un boss qui se trouve sur la planète. Vous verrez, déjà, c'est sa taille qui est pas pareil que les autres, mais bon. Il est un tout petit peu plus grand. Hein. Tout petit peu, hein. pas beaucoup, mais voilà quoi. Ah, trop de sable, tu. Hop, moi je pille tout, moi je suis un fou. Tac, sans moi ça évite de je farme un peu en off. Hop, on pique. Hein. C'est surtout la, ouais, c'est surtout la deuxième planète qui est intéressante, vous verrez. On y sera. Ça va pas le faire. Bon, vous voyez, les cactus, on peut pas les récupérer, c'est un peu dommage. What? Je vais pas récupérer ça. Ça se pète automatiquement, je crois pas, il y a pas moyen d'y récupérer. Alors, voilà, un petit lieu, ça c'est... c'est ceux qui font partie de la secte. What? Il est mort, le mec? Ah non, ils sont là-bas. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il y a une touche très importante dans le jeu, c'est la touche contrôle, hein, comme si on pouvait s'accroupir dans les FPS ou... toutes sortes de jeux sans PC. Sauf que là, quand on reste appuyé, ça nous sert à, pour diriger avec la souris, à voir un peu plus loin. C'est-à-dire que quand on attend droite, si vous voulez voir un peu plus bas, bah hop, on va faire ça, hop, on remet à la vue. Et c'est super rapide. Alors ce que je vais faire, j'ai pas utilisé ça, ça donne tout le temps de la santé. J'ai jamais vu autre chose. Pour l'instant, moi j'ai tout le temps envie de la santé. On va aller les fight. Mais what? J'ai pas changé. D'accord, gros fail. J'ai dû appuyer sur une touche en fin exprès. What? Pour partir. Hop, ils ont pas mal de vie. Saleté de secte. What? Ils sont tout fous. Damn. Voilà, des pixels. Donnez-moi des pixels. Hop, on remonte. Et on va se soigner. Damn. Full life. C'est comme ça qu'il faut faire. Ah, du silver. Hein. Je vais le prendre. Bon, on croisait encore à ça, mais un même truc. C'est pas la secte là, cette fois-ci, c'est autre chose. Sorte de mercenaire, on va dire, en quelque sorte. Vous allez voir ça. Pas longtemps. Je vais récupérer la capsule de pixel déjà. Et ça, le pixel, hein, franchement, c'est pas très... c'est pas gênant, hein, ça. C'est pas ce qu'on manque dans le jeu. À part si on meurt, c'est sûr que ça fait un peu chier de les perdre, certains, mais... alors voilà, une petite zone avec une tente. J'espère qu'ils sont pas fait tuer, c'est tout. Alors, ils étaient encore en vie avant que je passe, mais je crois qu'ils sont fait tous tuer. Ah, super. Bon, normalement, c'est... c'est pas des sectes, c'est... ils sont ici. Ah, personne. Ah bah ils sont fait tuer. Bon bah dommage. C'est des mercenaires, ils ont des flingues. C'est pas... c'est bien, ça peut permettre de faire looter des flingues. C'est pas grave. C'est un truc... là, j'adore l'étendue de sable qu'il y a là. Ah, casse-toi toi. Boum. Alors, faire gaffe aussi d'avoir un PC assez puissant. Même moi qui est quand même assez puissant, enfin... pas trop, mais bon... des fois je fais écouler du gravier ou du sable, le gravier comme je l'ai dit aussi c'est la même propriété physique on va dire. C'est que s'il y en a trop, bah c'est un peu le bordel, ça vous fait ramer le PC, mais comme c'est pas permis en fait. Alors faites gaffe un peu de pas faire cracher le jeu à cause de ça, ça peut arriver hein, écoutez. C'est normal, souvent les jeux ils sont pas, ou c'est en train de faire son bêta, c'est pas très optimisé encore. Mais... pour un jeu en bêta, franchement, il est vraiment super, hein. on va pas dire, hop, vous allez mourir, ouais, tu vas mourir, non, t'es pas mort, du charbon, crafting table, et encore un instrument, tu meurs, voilà, bon, encore un instrument, super, on a déjà deux, je crois qu'il y en a au moins, ouais, il y en a à peu près une vingtaine, ouais, un petit peu moins, ouais, autour de 20, on a pas d'instrument.
Ah, il va faire déjà nuit, non. Mais il me semble que je crains pas le froid. Enfin, il me semble. On va bien voir. Là, il me semble que je me rapproche du boss. Non, ça va faire chier s'il fait déjà nuit. C'est pas grave. Voilà. Oh, pire, je ferai. Oula, j'ai un petit drop de FPS. Tac, tac, on monte, on monte. Alors, c'est vraiment avec galère qu'on pouvait le voir quand on n'a pas les pouvoirs. Oh là là. J'en chie. Hop. Dégage. Bon, normalement, ça va encore, on y voit pas mal de nuit. Putain, j'ai juste remettre la torche. La torche. Et c'est pas possible. Il va pas me prendre la torche. Voilà, je préfère. Hop. Alors, il fait gaffe là. Hop, il y a du poison, ça c'est con. Ah. Eh ben non, j'ai touché le mur, ça m'a fait tomber dedans. S'il veut lui. Ah oui, faire gaffe aussi de nuit, c'est pas les mêmes bestioles, c'est les autres bestioles qui spawnent. Elles sont un peu plus agressives aussi la nuit. Beaucoup agressif. Oh, casse-toi. Putain. Vous voyez, comme je vous avais pas montré encore, la barre de température qui montre le froid. Hop. Bon, pour l'instant ça va. Putain, mais je vais où là? Je vois plus rien. Hop. Light s'il vous plaît. Je te veux tout. Hop. Hop. Et ils sont carrément plus rapides aussi la nuit. Ça prend. Bon, on est toujours pas au boss. What the fuck. Ah si, ce qui me semblait. Il y a un boss, sauf que d'abord bah niquer les bestioles autour. Toi tu dégages, j'ai failli crever. Touch. Attendez, on va se mettre comme ça à découvert, on va se mettre une petite torche. Pour ça chauffer un peu. Voilà, on va faire une sorte de mini base. On va se faire choper. Ça. C'est vraiment galère hein. Oh, ça va être chaud là pour le boss. Ils sont carrément rapides. Donc, ça me permet de looter. Putain d'armes, ça c'est un refait. C'est souvent des armes qui sont qui lootent les boss. Viens ici. Hop. Voilà. Et qu'est-ce que tu... Attends. Ah. Alors là les gens... Attendez. Oh. Waouh, la face, quoi, c'est la première fois qu'il me loot une arme légendaire, un boss. Mais je sens que je vais être chatteux sur cette série, non? Vous sentez pas les gens? Oh là là, mais laisse tomber, quoi, je prends le marteau, quoi. Bon, le speed est un peu moindre, mais les dégâts, voilà, quoi, le DPS. Oh là là, je suis raffait. Attendez, je vais juste mettre... on va le mettre là du temps. Non mais j'en tiens de côté aussi. Tac. On va tout décaler. Je vais mettre mon inventaire, mon chien fou. What la phase. Le marteau comment ça s'appelle déjà? Le Holy Rage. Le marteau d'os. Waouh la phase. Hop, regardez. Il tire, ça fait une sorte d'onde de choc avec des os en poison et c'est vraiment classe. Mais ce qui est bien, il empoisonne en plus, hein. Ça c'est bien ça. Et là on va se faire plaisir. Je crois que je les loupe aussi. C'est vu que j'ai un speed moindre on va dire. Waouh, bah je suis refait. Ah là, on y arrive enfin. Bon, comme vous pouvez voir, Penal Connolly, ça veut dire... prison. Bon, en même temps on voit les barbelés tout ça. C'est ça, c'est la prison humaine, c'est un lieu humain. Pour les humains il y a combien de lieux? Il y a deux lieux je crois. Il y a la prison et le complexe militaire. Ouais, c'est tout, la base militaire. Il n'y a que deux genres de lieux pour les humains, la race humaine. Enfin de grands lieux, c'est des petits lieux comme j'avais déjà montré à un moment avec des robots. Enfin quand on voit des robots ça fait comme dans les Star Wars un peu là, ceux que
ceux qui se mettent le bouclier autour d'eux, ça c'est humain, ça c'est pas glitch, c'est pas la race robot, ça n'a rien à voir. Eux, ils ont pas de... Eux, c'est eux-mêmes qui combattent, c'est pas des tafioles en fait. Alors par contre là, faut faire très très gaffe dans la prison, il y en a qui font très très mal, surtout eux ça va encore avec les cuts, c'est ceux-là, ceux qui ont la chaise. Alors ceux qui ont la chaise, faut tous pas se faire toucher, eux, encore un point, ils font très très mal. C'est pour ça, petit conseil. Bon, toi ça va, eux ils ont moins de vie, c'est pour ça que ceux qui ont une chaise, ils ont carrément beaucoup de vie, c'est très très dangereux, surtout qu'on est dans un secteur X level 10. Ça m'est arrivé de me faire tuer alors que pourtant j'avais une arme légendaire, mais ça veut rien dire on va dire. Hop. Oh, il y a encore plein de décorations. Comme je l'ai dit, hein, ceux qui cherchent la déco pour faire des maisons ou n'importe style de construction, bah, vous avez le choix. Dans chaque lieu, un scanner d'heure de main, les caméras, soit c'est surtout les trucs un peu modernisés, excusez-moi. Hop. Fermer, ils vont rentrer tous là, certainement. Hop, voilà. Les chaises, les bureaux, les caméras. Ouais, encore tout ce qui est un peu. Ah. Alors eux, c'est ceux qui font mal. Ceux qui ont le pistolet qui tire coup par coup. Eux, ils font assez mal, surtout dans les hautes planètes. Contre ceux qui ont juste un mini-uzi en fait. Vous connaissez un mini-uzi, c'est cette mitraillette là, portatif, là, vraiment très rapide. Alors ça fait vraiment pas de dégâts, hein. Ça pour vous dire, quand on est assez haut level, ils vous font aucun dégât. Voilà, ceux-là. Regardez, un par un. J'en chie. Il était en hauteur, salaud, mais bon. Vous voyez que... C'est pas très grave, toi tu dégages. Bon, il est capable aussi de... On peut faire loot la chaise, hein, bien évidemment. Hein. Ça je l'ai pas dit, mais on peut la faire loot. Bon, verbalement, ça j'ai récupéré avec ce oui, aussi à dire que le marteau est tellement puissant que ça arrive à casser le décor. Voilà quoi, c'est pour vous dire. Voilà, hop, vous avez bien vu, la preuve, hop, toi t'es mort. Non, y'a rien, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro, attends, je vais en mettre, hop. Non, tu me touches pas toi, salope. Aïe, bon, allez, dommage. Bon, aussi là-dedans, c'est comme dans le complexe Apex, vous trouvez pas mal de steampack, ça c'est bien intéressant ça pour ça. Toi, tu dégages tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là autour? T'as cru quoi toi? Viens ici. Hop! Ah, j'adore cet imbavillon. Comme j'ai dit, je suis vraiment chatteuse, je pensais pas, mais vraiment pas looter. Une arme légendaire quoi. C'est quand j'ai vu le loot apparaître que je l'ai pris, j'ai vu la forme du marteau, je fais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah si. La preuve. Aïe aïe aïe. Comme quoi ça m'étonnera toujours certains trucs. Ça arrive hein, de toute façon. Tout peut arriver dans ce jeu maintenant. Qui sait. Ouais, les best-of qui ont tué les mecs qui étaient en haut. Bon merci, ça me fait le pixel tout de suite. Dégage. Aucun respect. Toi tu vas mourir. Le mec il saccage tout. Ouh, tu crois où? Aïe. Ça fait mal la chaise. J'en ai pas loot. Non, ça c'est du décor que j'ai cassé en même temps avec le marteau. Ah bah on a déjà deux armes légendaires déjà de collecter on va dire. C'est déjà pas mal. Oh. J'espère vivement qu'on va retrouver surtout... Waouh, S de FPS un peu. Mon arme préférée, l'arme légendaire que certains auront vu dans la vidéo annonce comme j'avais montré. Bon, je pense qu'on va le retrouver à un moment, mais quand? Je sais pas. Bon, pour l'instant, on savait bien que là, ça fait des dégâts en secteur alpha, mais bon, quand je serai en secteur bêta, voilà, quoi, ça va plus trop faire de dégâts, hein, ces armes. Mais... Faut pas se leurrer, on va dire. Si on la trouve dans le secteur alpha, c'est à dire que c'est du niveau alpha, c'est obligé. Hop, tac tac, tout prendre. Ah, un coffre en plus qui est en plein milieu. J'avais déjà pris là-haut. Alors là, normalement, non, il n'y a pas. Normalement, des fois, il y a des trucs sur l'histoire, des bouquins à prendre sur l'histoire du lieu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un marteau encore qui n'est pas très puissant. C'est vraiment dommage. Il est quand même sympa s'il fait de l'électricité celui-ci, dommage. Stone pickaxe, on s'en fout, l'arme aussi, de toute façon,
Si maintenant, comme j'ai dit, arme légendaire, on s'en bat les steaks. Des torches, des... Et un medipack. Hop, on va prendre le coffre. Est-ce que j'avais pris les autres coffres? Ouais, j'avais pris les autres coffres. J'avais un doute. T'es caché! De toute façon, en ce qui concerne les steampacks, vous verrez pour la planète juste après que j'espère le looter aussi, hein. C'est pas sûr, c'est on peut le faire looter. Je le savais pas, c'est quand j'avais joué avec Zone Peace et Pierre Tixel en multi, quand j'avais fait le serveur, puis qu'on jouait un peu ensemble. C'est qu'à un moment, il me dit, ouais, j'ai réussi à looter ça, je fais, non, mais comment c'est possible, bah, j'ai tué le mec. Ah bah d'accord, et moi-même je savais pas, alors... J'avais réussi à le faire looter un peu plus tard, mais bon, faut déjà en trouver un, c'est ça le plus chiant. Oh, encore ça va, ça se trouve assez facilement, ce qu'on verra. Waouh, 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 ils se sont téléportés d'un coup, là. J'ai un gros rollback. Avec frappe, ça freeze. C'est pas grave. Aïe, ça pique. Dégage. Bon, ça c'est pas grave. Hop. Bandage. C'est la vie, le bandage. Ah, ah, bouge pas. This bag. Viens ici. Hop. Parfait. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la bouffe même pour... Putain, mais bon. J'ai jamais rien là-dedans. Putain, mais j'ai plein de bouffe là. Que pouic. Bon, on va dire que j'ai un peu de la chance avec le marteau. Alors voilà, quoi. Il se venge sur les loot. Non, je sais pas, mais... Bon, bon, bien. Que dalle, ah, y a rien encore. Ah, les caisses. Non. Ah, je suis déjà passé là. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, des bombes encore. Des lingots de fer. C'est assez grand hein, la prison. Franchement, c'est assez long à tout voir. Hop, là c'est les douches. Ne touche pas. Y a rien. Ici non. What, c'est quoi cette musique d'un coup stress là? Il n'y a pas lieu d'être. Dégagez, c'est moi qui passe. Ah, on a pris des dégâts. Alors ça se voit qu'on est le jour maintenant. La musique du jour est revenue. Je pourrais savoir que la nuit il n'y a pas de musique. C'est bizarre qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas créé un truc pour avoir la musique. Qu'est-ce que c'est? Non, ça ne peut pas s'ouvrir. Salle de torture. Ou d'exécution à mort. What the fuck? Je crois que c'était interdit. Ouais, mais pas dans tous les pays. Tac 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 tac. Hop. Toi t'es mort. Oh, oh, oh. Tu te crois que je t'ai pas vu descendre toi? Hop. La la la. Aïe. Méchant. Hop. Voilà. Ah, ouvre la porte. Merci. Oh bah je casse tout moi, hein, je suis un... Non. Ça peut mieux ouvrir, mais bon. Hop, faites gaffe aux chutes surtout là. Hop. En fait, je suis en train de me rendre compte, ça dure un petit moment là que je tourne déjà. Je ferai en fait des ellipses par rapport aux autres planètes, c'est pas grave. On montrera le plus important comme j'avais fait la dernière fois. Je voulais juste vous montrer ce lieu. Ah, ouvre-moi ça. Aïe. Ils sont deux. Dégage. Dégage. Vraiment la chatte. Surtout le marteau, d'habitude j'arrive jamais à le trouver souvent lui. Ça sert quand je l'ai looté, mais là... Flex. Easy poney quoi. Bon, bah voilà. Un petit lieu de fait. Tout ce qu'il veut, je vais one shot maintenant. Hop. Bon, bah voilà. Alors moi ce que je vais faire, j'ai fait une petite ellipse le temps que j'aille sur l'autre planète que je vais vous montrer par rapport à ce que j'expliquais là pendant que j'ai visité la prison. Et je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve. Alors voilà, je vais vous expliquer. Là on était dans la planète 3A. Là je suis allé sur la planète 5A, ce que vous voudrez, bien sûr, ce que vous voudrez faire comme moi, trouver les mêmes choses. On est sur la 5A. Alors voilà, c'était juste pour une petite information pour la deuxième planète qu'on va visiter. Hop, on va aller dessus. Là. Hop. Hop. Et on va commencer à visiter. De toute façon, c'est pas très loin, normalement, il me semble. Je vais vite me dépêcher. Hop. Là. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Hop.
montrer. Qu'est-ce qu'il y a? Un marteau de merde, bon, ça, ça en doutait un peu. Hein. Hop. On continue. Lolo. Avec la musique encore en fond. Excellente. Ouais, tout à l'heure j'ai eu la musique que j'aime bien. C'est pas tout le temps qu'elle y a, c'est dommage. Très clairement elle y sera. Ou c'est celle-ci? Je sais plus. Je sais plus. Aïe. What? Ah oui, c'est la Pacifique. C'est pour ça qu'il y a cette barrière. Ah oui, j'ai oublié les arbres. Attendez, je vais voir ça. Ah, je vais à la hache. Merci. Ah non, ça donne du bois aussi. Hein. C'est comme tout à l'heure l'arbre. Ah non, ça donne du... Ouais, j'avais jamais rodé en fait, j'avais jamais essayé. Du... cactus, enfin du camp du cactus. Oh lol. Oh lol. Oh bah sympa. Sympa. Enfin, ah la couleur c'est bon. Je vais prendre lui aussi comme ça, genre les deux plus différents. Oh bah un arbre en plus à notre collection, on va dire. Hop. Nickel. Quoi de mieux? Ouais, toi j'en ai sûr qu'elle a attaqué. Dégage. Merci. Hop, donne-moi le la pousse d'arbre. C'est tout ce que je veux. Allez, on se dépêche. Ouais, c'est un peu long, je pense. Il faut 25 minutes à peu près. Oh, c'est pas mal, là, ça change. J'ai un peu jeté à 30 à chaque fois. Donc, je peux me permettre de faire long. Alors, autant le faire, hein. Comme ça je peux montrer le plus de choses possible. C'est assez cool. Encore du charbon. Hop. Ah, j'ai pas la lumière, moi t'es foutre. Ah oui, sinon, ah oui, pour switcher entre l'inventaire qui est ici et ici, vous verrez quand on appuie ça, ça marche. Des fois ça marche, ça veut pas marcher comme ça, ça voulait pas. Sinon c'est la touche X pour switcher. Ou au pire, si vous êtes déjà sur la touche, vous avez mis votre arme en principale en. Sur la touche raccourci clavier, je veux dire en 1, en appuyant sur 1, hop hop. Vous faites le switch directement, ça évite d'appuyer sur la touche X, qui est un peu chiante à utiliser des fois. Je préfère me faire comme ça. Alors, du silver, je prends... Allez, donne-moi ça. Wouhouhou ! Je veux ! Hop, un tech. Un tech sont tombés en fait. Ah, moi je suis... Dès que je vois les minerais, je viens de tout fou ! Encore un coffre. Parfait, encore des fleurs, bon voilà. Prends la pioche. Bon allez, on continue. Oh oui, c'est juste de la magie, c'est marrant. Hop. Doudou. Ah, ça c'est marrant. Des fois quand ça pleut, ça met de l'eau au fond, c'est marrant. Une sorte de puits naturel, on va dire. Encore une sorte d'arme, ça je vais pas y prendre, c'est les arbres qu'on trouve assez souvent dans plein de les biomes déserts, je veux dire. Alors ça vaut pas le coup d'y prendre. Hein. On peut y trouver à tout moment. C'est pas un souci. C'est comme plutôt le cactus. Enfin les cacti. Mais ouais, je peux comprendre pourquoi ils appellent comme ça. Allez, dépêche-toi, gros sac. Non, c'est une femelle, j'ai oublié. Ah, c'est vraiment dommage les cactus, c'est bon, je ne peux pas les choper. Je sais pas pourquoi. J'ai tenté avec tout, avec l'épée, avec la pioche, même la hache. Ça fait rien, ça vaut pas. Ça va rien récupérer, mais c'est pas grave. C'est un peu dommage, ça fera de la décoration extérieure, donc... Bon, si ils ont décidé comme ça, bah, ça décide comme ça. Merde. Oh, j'ai bien misé. Oh, en plus, je l'ai mal visé. C'est marrant, les épées qui font les effets, ça, c'est... Faut tirer au loin, vous savez jamais où ça va toucher ou pas. Surtout avec les flingues, de tirer en l'air, pour les... Pour ceux qui volent, c'est... Forte chance de les toucher, c'est marrant. Ah, saute, j'ai dit. Merci. Ouah, c'est la galère pour monter là. Ouais, c'est à l'heure, moi j'étais avec mon pouvoir moi aussi, avec mon autre personnage, hein. C'est sûr que c'était plus simple. Là j'ai pas le pouvoir pour voler. Non, non, non. On se démerdait. Ah, faut vraiment que j'arrive vite à trouver ce pouvoir. Surtout le double saut. C'est le plus intéressant en début de game. Ça aide pas mal en fait. En début de game, surtout quand t'es dans le secteur alpha. Ah, cassez-vous. Oui, ça peut changer pas mal de biome des fois. Bon, encore ça va, c'est de la terre spéciale désert, c'est à ce fond qu'on la trouve. Alors là,
Ah non, putain, j'ai cru qu'il était mort. Rentre-toi, rentre. Ouais, j'ai pas envie que tu crèves. Non. Ah, tu vends rien, toi? Non, je croyais que c'était un marchand qui vendait. Il vendait rien. Chut. Mais... Excusez-moi, c'est chou qui crie. Qu'est-ce que tu gueules encore, hein? Bon, toi, je vais te tuer, tu sers à rien, en fait. Oh, je suis deg. Je croyais qu'il vendait des trucs. J'aurais dû tester, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est des choses qui arrivent. Ah, est-ce qu'il y a des... normalement dedans. Je vais juste piquer son feu de camp. Hop, bon, c'était un avian, hein. C'était la race oiseau. Alors ça, ça, on peut y casser. Hop. Tac. Ça, c'est un... c'est lui. Ouais, c'est... non, c'est dommage. Normalement, ils sont souvent des... ce sont des marchands, ça. Bon, bon, c'est pas grave. Ça peut arriver que ça puisse pas être pareil. Bon, je me dépêche, Il est plus très loin, il me semble, normalement. Il est plus très loin. Je crois qu'il y a des pixels, mais non. Tac. Oh, un petit morceau d'or juste à la surface. Coucou. Hop, je prends encore les plantations naturelles. Hein. Pas se priver, hein. Ça c'est toujours de la bouffe en plus. Des seeds spéciales à planter. Hop. Là, on retourne un peu dans le biome désert. Nickel. Alors ouais, c'est vraiment ça le plus chiant, c'est de... faut faire l'exploration de la planète si tu veux vraiment trouver ce que tu veux. C'est un peu le point négatif, mais bon, c'est normal, c'est fait pour explorer, hein. Le jeu c'est pas fait pour trouver ce que tu veux. Ce serait un peu trop simple, on va dire. Hop. Après tout dépend, tu sais déjà où c'est, tu peux... où ça peut arriver, tu peux faire passer plutôt d'un côté de la planète ou de l'autre. J'aurais pu très bien partir sur la gauche directement, je sais pas si c'était plus court en fait d'aller sur la gauche, mais c'est pas grave. Je préfère mieux aller dans ce sens, que c'est chier pour où il est, non, c'est pas se faire chier. Hein. De toute façon, j'ai dit, je vais pas tarder à arriver. Wouhou, ça passe. Bon, il y a plein de minerais à la surface. Bon, le pire, on verra, c'est qu'on sera dans le secteur X, ça fait peur, hein, et on voit du diamant à la surface, quoi. Pour dire que le diamant quand t'arrives dans cet arc, ça n'a plus aucune utilité franchement. À part pour créer la pioche et la drill, juste les foreuses, enfin extra minerai. Ça ne sert strictement à rien d'autre. Ça j'ai pas compris. Il n'y avait pas l'armure en diams. J'avais montré, il fallait faire la salle en copper, après on prenait du fer pour faire la première armure, après c'est pas pareil, c'est. Ça va être du fer mélangé, ça va être des autres minerais encore après. Et c'est bizarre pour pas le grade, il n'y a pas l'armure en diams. Ça j'ai pas compris. Bon bah, si on décidait comme ça, c'est comme ça. Hein. Bon, c'est un peu bizarre. Ah voilà, on y arrive. Qu'est-ce que tu veux toi? On va faire un escalier avec la nuit qui tombe. Hop, on va se dépêcher. Tac. Ah putain, j'ai plus de bac. Sum. Ah, faut acheter un peu le bordel là aussi avec ça a mis dans l'inventaire. Nyeh. On a quelques blocs. On va prendre ça. Il y a beaucoup plus dans l'inventaire. Hop. Voilà. On s'en tourne où il y a rien. Des torches, on n'y voit rien dans sa baraque. Hop. Je vais éviter d'avoir la... je sais pas envie de le tuer tout de suite. Je vais d'abord voir s'il a pas des livres. Hop. Bon, ça c'est des trucs pour décoration, la bibliothèque. Non, je veux inventaire. Où sont les livres? Là, ils sont là les livres. Parfait. Ouais, ouais, il y a encore pas mal de déco. Hein. Là, il y a un coffre. Des minerais, des torches. Et là, vous voyez, c'est en fait... c'est un vendeur en fait. C'est le wizard, c'est un magicien. On va acheter la... Hop. La capuche. Enfin, non, pas la capuche, c'est ce que je dis. Le chapeau. Un chapeau comme Harry Potter. Ah ouais, on est trop stylé. Trop swag. Et vous voyez, il vend des steam packs pas très cher, hein, franchement, à comparer d'un PNJ médecin. Pour dire, là, c'est 150. Bon, le rouge est un peu plus cher, parce que c'est la santé, c'est le plus important, ça vaut un peu plus cher. Mais un médecin vend ça le double, en fait. Alors ça, c'est 150, ça passe à 300. Ah, la bouffe, tu fais chier. 300. Et ça, c'est pas le double, c'est même un peu plus, c'est à 400 pixels, alors pour ça,
qu'un wizard, si on a un spawner wizard, ça vaut vraiment le coup si on veut vraiment des steampacks à volonté. C'est pour ça qu'on va le tuer. Et lui, souvent... Eh ben non, j'ai bon, j'ai pas eu de chat pour ça. Et comme vous pouvez le voir, il a une épée légendaire aussi. Je crois qu'il est lootable que sur lui. Enfin, non, non, il est pas lootable que sur lui. Mais il y a plus de chances de la looter sur lui que dans, de la trouver dans des coffres, on va dire. C'est-à-dire une épée légendaire, comme... un style que ça, à deux mains, ou une main, je sais plus, normalement soit c'est une deux mains. Et qui tire des bulles, c'est vraiment marrant. Il fait vraiment des... Il fait pas mal de dégâts, je trouve. Hein. Franchement, elle est très très sympa à utiliser. Mais normalement, le plus important quand on trouve un wizard, c'est ouais, surtout de faire essayer de spawner le... Enfin, de looter le spawner à wizard. Comme ça, vous le mettez où vous voulez, dans votre maison ou dans le vaisseau, et hop. Vous sortez du vaisseau, vous revenez dans le vaisseau, il aura spawné direct. Et comme ça, au moins, vous avez votre marchand à vous. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Bon, je vais faire une petite ellipse le temps que j'aille à l'autre planète. Comme ça évite que je fasse le chemin. Ça va être un peu long, sinon. Je sais pas combien de temps que je suis là. Ouais, ça va être un peu long. Bon, je vous retrouve juste après pour montrer le dernier lieu que je voulais vous montrer. A tout de suite. Et on se retrouve. Voilà, je suis enfin arrivé sur la planète en question. Je vous montrerai... juste après qu'on aura fini pour la fin de l'épisode où se trouve l'autre planète, hein, c'est dans le même système solaire encore, on verra bien, c'est encore une autre planète désert. Hop, alors j'ai juste vous montré vite fait ça, c'était juste histoire hein, qu'il était sur le passage. Hop, je vais vous montrer, ah, bon, je l'avais déjà montré la dernière fois que j'avais oublié de le vous montrer. Hop, un petit lieu avec un coffre bleu, enfin un coffre high tech. Bon là il n'y a pas grand chose. Un peu de la merde on va dire. Bon c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. Et je vais vite me dépêcher, je crois que c'est pas très très loin après. Hop, le lieu en spécial que je voulais vous montrer pour finir cet épisode. Ça aurait été bien bien sympa en termes d'exploration. On aurait vu quand même 3 lieux quand même. Non attends, oui 3 lieux, enfin 2 gros on va dire. La prison est celui qu'on va voir maintenant. Et bon la petite maison du magicien. Est-ce que si vous entendez la tondeuse, il y a quelqu'un qui est en train de passer la tondeuse. Ah, c'est l'épée. On passe la tondeuse. Bon, on devrait pas trop entendre, mais c'est pas grave. Hop. Crever. Ouais, speed. Bitches. Putain, comme ça c'est bien quand même. Hop. Pour l'instant, moi j'utilise pas trop les steampacks au début. Je les garde surtout pour les derniers secteurs. Ça va très bien moi. Oh, jump. Non, toi tu dégages. Oh, des pixels. Le mec il fait juste spécialement 10 mutours juste pour le pixel. Oh, ça passe. Merci le sprint. Non. Non. Tiens encore un petit moment. Voilà, je l'ai pas eu. Pitchy. Hop. Hop. Vite. Voilà, on y arrive. Bon, bah, il y a certains qui doivent reconnaître un peu l'endroit si vous avez rendu la vidéo annonce. Hop. Il s'agit d'un château glitch. Et oui, hop, comme j'avais piqué un endroit moi pour faire ma maison, pour faire spécialement ma maison. Crevez. Oh, eux c'est marrant, ils ont un cheval mécanique, c'est trop épique. En fait c'est des robots mais ils sont au Moyen-Âge. Oh, eux aussi ils peuvent looter des armes, c'est à dire les arbalètes. Bon, ah oui j'ai oublié, voilà j'ai réussi à looter Oh bah dis donc. Tranquille le chien là, tu bailles, ouais tranquille ça flex. Nanana, non. Tu commences pas à faire chier hein. Excusez-moi, il est chiant qu'il commence à faire ça, ça me saoule. Ouais, ils peuvent looter les arbalètes, comme vous avez vu, j'ai réussi à looter la chaise, comme pour la prison. Bah, attendez, avant de monter, on va faire étage par étage, ça sera plus simple. On a que dalle. Oui, descend, descend. Laisse-moi tranquille. Ah c'est chiant. Tac tac, je vais te reprendre ça. Là. Hop. Hop, des coffres. Ouh, encore un instrument, le microphone. Tiens, la plantation de carottes. Des tomates encore, vous avez déjà. Hop. Pff, attendez, attendez, attendez. Ouah, mais c'est quoi ce chat que j'ai en ce moment? C'est pas possible. Attendez, mais d'habitude j'ai pas autant. C'est le même en plus en termes de... Attends. Est-ce que... Non, je veux te parler toi. Viens ici. Non, toi tu vois rien.
Il me semble qu'il y a un marchand, alors de toute façon je vais vite le tuer. Ah oui, alors, encore un bouquin à prendre. Hop, oh bah deux fois le 10. Bon, le deuxième, on peut le jeter, on en a pas besoin, tant qu'on l'a lu une fois, ça sert à rien, on peut plus rien faire avec. Putain, mais attendez, mais quoi les gens, 13, 13. Ah, c'est le même. C'est le même. Ok, bon bah voilà, quoi, je le garde quand même, hein. Ça fait toujours plaisir. Bon bah, de toute façon, même si j'aurais pas loot. Ah, voilà, le fameux roi que on peut. Ah non, il m'a pas loot la couronne, bon, c'est pas grave. Aussi qu'on peut loot un bon, il y a le spawner tout à l'heure de wizard qu'on peut spawner, ou sinon le chapeau ou l'habit ou le bas, enfin n'importe quel habit. Mais le roi là, il va me faire spawn, oui, le bouclier. Bon, ça il est encore, c'est le bouclier royal, alors qu'il est assez chaud à avoir, tant mieux. Ah, on a gagné un truc de warrior, enfin vous voyez là, la salle du trône, hein, comme je vais vous montrer dans ma baraque. Toi, t'en fais voir, toi tu dans des trucs, non tu vois rien, toi tu crèves direct. Ouah, ma vie, j'avais pas vu. Hop, attendez, hop, un truc à lire. Ah, de toute façon, oh putain, le chien qui fait du bruit, t'es que, ah, de faire du bruit, t'es pénible. Bah, arrête de m'embêter. Alors, ah tiens, Stuffed Automato Unlock. Arrête. Oh putain. Au secours. Me fais agresser par mon chien. Bon, bon, on a pris un... Arrête. Attendez, attends, je vais faire une petite ellipse. Bon, ouais. Ah, j'en ai marre. Ah, quand je suis tout seul, c'est bien, on est tranquille, sauf que quand il y a le chien aussi en même temps, ça fait la merde. C'est... Ah, je peux pas m'asseoir. C'est bon, il a hâte de m'embêter. Allez, fais ta toilette, là. Tu me laisses tranquille. Non, rien. Bon, fout tout. On pète tout. Oh putain! C'est eux qui lootent les trucs. Ah, je suis là! T'as pu ton cheval. Oh! Qu'est-ce que met l'autre? Qu'est-ce que met l'autre? Ah oui, l'autre bouclier aussi. Alors, savoir que, oui, comme j'avais pas trop expliqué ça. Bon, les loots blancs qui sont blancs autour. Bon, ça, c'est les armes communes. On a les verts qui sont un commun. Enfin, peu commun, on va dire. Quelque sorte, c'est ça peut les looter, mais c'est un peu dur. Après, on a les bleus. Oui, il me semble que ça passe directement au bleu, c'est les rares. Et pour finir par les violets, bon, c'est les légendaires. Ça, c'est comme chaque jeu, hein, c'est toujours les légendaires. C'est soit la couleur violette, soit la couleur jaune, hein, bon, dans les mêmes mots, on va dire. Enfin, non, toutes sortes de roleplay. Hop, on continue l'exploration. Ça aurait été un épisode assez long quand même. C'est le temps que je finisse d'explorer ça là, je crois qu'on finit en plus. Que c'est beau. Bon, je suis content, j'en ai déjà montré combien de lieux. Deux. Je suis de la tour, ouais, ça ferait déjà trois lieux très importants. Sans compter le wizard. Ah, bien, tu es du mauvais côté. Hop. Bon, le wizard c'est un petit bonus, hein. Tout ce qui est les sectes ou les mercenaires, bon, c'est dommage, les mercenaires c'était une marche, je sais plus pourquoi. Bon, je m'étais cassé de la planète après. Hein. Bon, le temps peut-être qu'on arrive jusqu'à eux, ils étaient déjà morts en fait. Ils ont dû se faire buter. Ah oui, ça, je vais revenir après. J'ai jamais utilisé ça, donc c'est pas grave. On utilisera un moment. Hop, on continue. Bien péter le sol, les petits trucs comme ça. Ça contient des pixels, très important. Que dalle. Est-ce qu'il y a dedans? Non, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. Pas dedans. Hop, des pixels, c'est la nuit dehors. Ouh, encore un instrument de musique, ah bah pétain. Aujourd'hui c'est l'épisode loot chanceux, on va dire, enfin loot chanceux non, mais je veux dire si, quand même, je pensais pas retrouver le marteau encore juste dans un coffre quoi. Ah, encore un histoire, je l'ai pas appris, que tu dégages. Non, je l'ai déjà appris. Voilà. On continue. Ta gueule, t'es pas mourir. Putain, mais cours vite. Bon, bah, c'est mort. Je te tuerai après. En vrai. Je te torturerai même. Non, je sais pas. Bon, on va revenir en arrière. Hop. J'ai tout pris, ouais. On va monter en haut, là. C'est pas le chemin principal. Là, voilà.
tout semble qu'il y a... Garde, garde. Il n'y a pas de garde ici. Ouais. Il ne servait à rien. Ok, qu'est-ce qu'il fait lui? Je crois qu'il me fait mal. Le top de craft, on s'en tape. Encore un fou. Ah oui, les steam packs, on commence à en accumuler pas mal, hein, franchement. Alors là, la chambre du roi, enfin, ou la reine plutôt, la chambre du roi de tout en haut. Ah, de l'or, parfait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, tout ça? Ouais, là, en termes de déco, c'est servi, hein, franchement. Là, il n'y a pas mieux comme déco, je veux dire. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh là là, il y a tellement de trucs. Tellement de trucs. Hop, bon, il est plus, j'y verrai pas, je crois que le 10 le déjà eu deux fois, en plus, on va se tomber. C'est même pas la peine. Bon, c'est souvent la même configuration, hein, les châteaux glitch, c'est à peu près la même configuration. C'est-à-dire les trônes tout en bas, la chambre du roi tout en haut, sur les côtés, tout ce qui est cuisine, salon, un peu de tout. Voilà quoi, ça change pas souvent. Là, ouais, c'est la même configuration que celui que j'ai, moi, que j'ai volé dans mon, avec mon autre perso là-bas. Hop, ah, les grappes, ah, je savais pas qu'il lootait des... lootait de la bouffe, des cibles. Du raisin, bien entendu. Ah non, c'est pas les concurrents, ouais, celle-là, normalement, c'est censé... Ah non, là, il n'y a pas la chambre du roi, c'est sur les deux côtés, là. Là, c'est la cloche, putain, ça change. Ok. Bon, bah voilà. On a fini pour aujourd'hui, je pense, hein, on est... Ouais, on est pas mal, hein. Pour toi, on va te jeter, toi, tu me sers à rien. Deux échecs. Alors ça, oui, je voulais y revenir dessus. Tac, ça, ça sert surtout en souterrain, c'est pour s'accrocher, je crois. Je sais même pas comment on l'utilise. Ah, comment on l'utilise. Is it, Ouais, bah oui, je sais même pas utiliser. Il me semble que non, c'est fait pour se balancer. Non. Bien vrai. Bon, bah je sais... Nah, je vais pas quitter game. Bon, je sais plus. Bon, je verrai ça. Je vous montrerai peut-être la prochaine fois. Ça sera pas mal. Bon, bah j'espère on va se laisser... Ah non, oui, je vais vous montrer où c'est cette planète, bien sûr. J'avais oublié de vous montrer ça. Hop, parce qu'on commence à avoir pas mal de stuff de plein de trucs. Voilà. On est allé à la 3, à la 5e, ouais. Et à la 8e planète avec sur le satellite, encore bien désert, niveau 1. Et puis voilà, bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Ça fait un petit moment, ouais, déjà. Ouais, ça fait pas mal de temps, ouais. Je pense qu'il va faire bien 45 minutes, voire peut-être un peu plus. Bon, voilà, j'espère que vous aurez bien apprécié l'exploration, que je vous ai montré quand même pas mal de lieux aujourd'hui. On a vu pas mal ouais, de choses différentes. On a eu la chatte de... Ah, le boulet. Bon, c'est pas... Gros fail. Bon, c'est pas... Je vous remettrai après. Ouais, qu'on a looté bah, le marteau deux fois. Oui, pourquoi pas. Voilà quoi, ça arrive, hein. Bah c'est surtout, bah encore le coffre, ça m'a pas trop gêné, c'est surtout le looter sur le mini-boss. Ça c'est la première fois que ça m'arrive, hein, looter une arme légendaire. Bon bah pourquoi pas, hein, écoute, hein, ça peut arriver. Et bon bah moi je vous dis à la prochaine pour, ouais, pour l'épisode 5 déjà. Et on va s'attaquer la prochaine fois au secteur bêta, c'est-à-dire on va se diriger cette fois-ci. Ici, dans le secteur bêta, je verrai où, j'essaierai de trouver un système solaire où il y a pas mal de planètes. Ça va être trop de fuel, hein. On va se faire chier, hein, écoutez. Hein. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 5 de Universe of Tarbonne. Allez, bye bye les gens, et jouez bien.